Espace, frontière de l'infini vers laquelle bougons. Mais arrête de me parler en même temps que moi, toi. Mon équipe et moi pour de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, nous avons pris la DeLorean pour retourner en 1999. Parce qu'en 1999, qu'est-ce qui se passait? Alors ce soir, on va quand même se mettre en situation. Je vais vous parler shmup. Mais pas des shmups ridicules. Ce soir, on va toucher du cultissime. Alors je vous mets l'image quand même. Vous avez été sage. Alors, les connaisseurs vont tout de suite comprendre de quoi on parle. Je vais vérifier quand même qu'on a bien retour. Oui, c'est nickel. Et donc. Oui, on se trouve en face d'un jeu qui s'appelle Gunmunch. Alors, Gunmunch, ça a été long à voir en Europe. Hein. Je crois que ça a été importé, mais sur le tard, on l'a jamais eu en arcade chez nous, quoi. Et ce jeu était vraiment génial parce que il y a un système qui a été mis au point en gameplay, comme vous avez pu voir. En fait, votre bonhomme, qui est le vaisseau donc, qui va affronter ses hordes de méchants, qui sont donc les vaisseaux ennemis, qui vont cracher plein de boulettes, qui sont donc, merde, bah des boulettes. Eh bien, en plus de ça, on va lui donner un pouvoir, il va pouvoir diriger son esprit. Alors, on va regarder un autre play, peut-être s'il me refait voir un petit bout de gameplay en démo. Vous allez mieux piger le concept. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la classe de ce jeu. Et c'est réussi, mais vraiment avec brio. Donc, vous avez votre perso, et regardez, vous voyez en avant, il a un tir qui se projette. En fait, ce tir qui se projette, il se déclenche uniquement quand on garde appuyé le bouton de feu principal. Et vous pouvez le diriger avec le stick. Et du coup, vous ne pouvez pas vous diriger vous pendant ce temps. Ah ah, finesse! Comme quoi, les gens qui jouent au shmup sont pas aussi débiles que ça. Et du coup, ce jeu a. Vous allez voir. De toute façon, vous allez m'entendre couiner sur ce jeu. Parce que, en plus, il est pas très radin en boulette. Hein. Il envoie des bonnes grosses vagues. Et ouais, il faut vite maîtriser ça, c'est vital. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, je vais vite mettre 200 crédits. 12 millions de crédits. Très bon, on doit prendre. Je vais juste vérifier le son avant parce que j'ai un petit peu le doute quand même. Alors, est-ce que le son marche? Vas-y, rassure-moi Jean-Pierre. Parce que mon son à moi, ça va. Putain, pile au moment où le jeu vidéo a pas de son. Est-ce qu'on compte en fail celui-là? Je réfléchis. Vous voterez sur les commentaires, ce sera plus simple. Est-ce que c'est un fail? Moi qui veux vérifier le son du jeu, pile au moment où il n'y en a pas. Pourquoi? Je vais appuyer sur Start, juste par défi. Il y a le son du jeu. On va prendre lui parce qu'il a une gueule de méchant. Hein, parce que la petite avec le loup, j'ai vu. Non! Mais je la voulais pas, elle! Je sais pas la diriger, moi, en plus. Alors, bah, la démo, tiens. Très bon, toi, prendre. Donc, toi, tirer, pan, pan, pan. Mais si, toi, maintenir, appuyer. Toi, diriger ton âme. Et ton âme peut sauter sur les méchants, et pam, pam, pam. Oui, je sais, c'est très moqueur, c'est très caricatural, mais il faut vous rappeler quand même que j'ai vécu à l'époque où il y avait Michel Leeb, et forcément, c'est ce qui entame. Attention, bouton droit, alors, bouton droit, n'appuie jamais dessus, c'est simple. Regardez-moi cette méga-bombe. Genre là, il pourrait y avoir une chorale d'enfants qui reprend du Mireille Mathieu en face, je l'ai décimé, quoi. Ouais, parce que je considère quand même Mireille Mathieu comme une arme que... Ça fait partie des trucs comme les trucs bactériologiques, faut pas s'en servir pendant la guerre. En fait, ce jeu était magnifique. Donc, je repose le cadre 2000, les années 2000, on se faisait chier à tirer avec des petits vaisseaux et on découvre ça. Et là, la première fois, bah, déjà la première fois, en fait, le premier truc que tu fais dans ce jeu, c'est que tu mets des sous surtout. Parce que t'as pas compris qu'il fallait garder appuyé pour diriger ton âme, mais que quand tu dirigeais ton âme, moi je l'appelle l'âme, hein, c'est tout joli. Bah, tu étais totalement vulnérable, comme un petit scarabée. Et il faut savoir que, bah, vous le voyez quand les boulettes passent au rose, votre âme, elle, cancelle les boulettes. Donc, pour se créer un chemin, des fois, ça peut être salvateur. Vous commencez à piger le concept? Parce que oui, je
je sais pas si j'explique très très bien, mais enfin, je pense que j'explique pas trop mal. Et puis, ça vous permet d'atteindre des trucs derrière des murs. Putain, oui, il va m'amuser, je sens. Connard. Il meurt. Oui, non, mais là j'étais pas. C'est dur de parler. C'est toujours dur de parler en même temps avec les choux, c'est ça qui est vraiment très rigolo. Mais je suis un gentil, moi, faut pas me tirer dessus, je suis. Ouah, une crise d'épilepsie. Bam! On va y arriver. Et donc, vous voyez quand même que bah, l'histoire de gérer cette histoire de. Moi, j'appelle ça là, mais je trouve ça vachement joli. C'est super important parce que non seulement ça fait du dégât, mais pour le bullet cancel, bah, sur les boss, on va le voir. Il y a des moments, c'est quand même genre, si tu le fais pas comme il faut, il y a moyen que tu regrettes, quoi. Tu peux être très très triste et avoir très très mal. Et je pense que je vais avoir mal parce que je me rappelle plus du tout des patterns du truc, et là, je fais beaucoup de la merde. Oui, comme ça arrive. Comme ça, c'est pas mal ça. Là, ça va être moins drôle. Je vais commencer à prendre cher. On bouge, monsieur, on bouge. Et oui, oui, il faut bouger des fois. Oh putain, mais cancel-moi ça. Alors, vous voyez que le cancel, quand même, c'est. Ah, là, je peux pas. Putain. Alors, le problème, c'est d'arriver à guider quand même son âme. Alors qu'il faut se déplacer derrière parce que. Faut esquiver un petit peu. Et sur ça, ce jeu, il est vraiment génial. En plus, graphiquement, c'est d'une richesse. Moi, il me fait penser à Gunbuster 2 sur la Dreamcast et sur AVS. Il y a vraiment un boulot qui est fabuleux. Quoi. On sent qu'il y a des mètres de pixels derrière qui sont éclatés à bosser, mais la moindre anime. Ce jeu, c'est la générosité incarnée. Quoi. Donc, plus je parle, plus je fais de la merde. Parce que je me suis fait piéger par celui sur le côté. Alors, comme dans tous les shoots, hein, il y a un ordre, une priorité à donner au truc pour les gars. Genre ça, non, il ne passera pas. Non, pas ça râle. Hein, dégage. Il y a les obstacles naturels, des escaliers aussi. Putain, j'ai oublié ça, les reliefs. Les reliefs, donc, bah, font que. Pardon. Votre âme, c'est vraiment vital de la maîtriser parce que. Il n'y a que son tir à elle qui passe, quoi. Vous voyez ? Donc là, si je gère pas le truc, ben, je rentre chez moi, je pleure. Le problème, c'est qu'on bat, il faut qu'on bouge un petit peu quand même. Il faut bouger pour esquiver les trucs qu'on n'a pas cancel, qu'on n'a pas eu le temps, parce que le jeu, oui, on est tous d'accord. Il est très généreux, quand même. Je sais pas dire, Max. Oh, c'est 10 aides sur la boulette. Mais quel est donc ce jeu? On m'aurait menti. Putain. Je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Je suis plus dedans, les gars. On arrête. On arrête tout, là. Et bon, je vais arriver au moins à un boss. Que je vous fasse rire. Donc voilà, Gunmunch must have 1999, ce jeu, j'ai pas de mots pour ça. Ah merde. Vas-y, pelle de moi. Alors on voit que des fois, il y a des boulettes, elles sont pas totalement cancel, elles sont juste ralenties. Le jeu est assez... distingué pour vous faire ouais non mais là c'est bon j'ai très histoire mais là pas trop parce que quand même t'es sympa mais faudrait pas voir à faire un jeu trop casual quand même. Oh le calvaire celui-là. Quel calvaire, je me rappelle plus que c'était aussi compliqué. Monsieur meurs s'il te plaît, sois sympa. Oh. Ah, j'ai mal. J'ai très mal. Je vois plus l'écran. Je vois plus, je suis des fois. Ah non, non, non. Il y a un petit côté bondage quand même. Là, je me fais mal.
Et ce jeu, de toute façon, vous l'adorerez parce qu'il va vous faire mal. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime dans les chemins. C'est ce moment où vous n'êtes plus en train de réfléchir à dire, ouais, je vais passer là, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que vous ne devriez pas réfléchir un poil dans les chemins. Vous êtes en mode transe. Ah, je suis en transe, je fais n'importe quoi, je vais faire ça, 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 ça passe, c'est bon. De toute façon, si ça passe pas, j'ai prévu autre chose, je m'en fous. Et ce jeu, il est vraiment génial. Gun Wange, must have, must rééditer. Rééditer les gens ce jeu, ce shmup, c'est une. Il est culte. Oh, non. Ah, bah oui, là j'étais un peu fâché. Il y a un moment, faut arrêter. J'ai beaucoup de mal ce soir. J'ai une légère fatigue, on va dire. Du guidon à diriger mon âme. Je vous avoue que je suis pas mal à la peine, d'ailleurs, ça doit se voir. J'ai un coup de bombe. Ah, bien. Ce jeu. Mais de toute façon, c'est tout ce qu'on demande dans un chemin. Parce qu'on n'a rien faire. Est-ce que je vous laisse là-dessus? Non, on continue un petit peu. On va aller jusqu'au prochain boss et puis basta. Parce qu'en plus, là, il y a un petit passage un peu perle. Je pense que je vais mettre 3 crédits à le passer. Ça va être un peu la jonde, comme on dit, couramment. Genre là, voilà. Si je gère pas ma fucking âme, je suis mort. Et même en la gérant, je pense que je vais être mort. Je vais spug un peu. Non, ça suffit les gens là, ça suffit. Marre. Eh oui, non mais il y a un moment, oh, un speed à araignée. 4. De l'espace. Pour les gens qui ne suivent pas, hein, Gunmanch, j'insiste, ce jeu est culte. C'est. On peut pas dire qu'on aura avoir essayé, on peut pas prétendre avoir essayé tous les shmups si on n'a pas joué à la demi. Froc. Non non, je passe pas là. Putain, comment j'ai fait? Non, non. Eh oui, non mais c'était un peu tendu là, madame. Ça suffit. Ça suffit. Un charignier. Non mais franchement, vous avez vu ça dans beaucoup de jeux, vous? Des charignées. Fureux! Laisse-moi te finir au moins. J'ai dû implorer là. Ah mais il n'est pas fini. Non. J'ai plus de bombe. Ça suffit. Ça suffit, y'en a marre. Bon allez. On va jusqu'au game over et tranquille. Ce jeu, c'est un jeu, si vous aimez les shmups, il y aura comme ce soir, j'ai fait. D'un moment, il va vous manquer, vous aurez envie de jouer à ça. Vous ferez, non, mais ce soir, je veux pas jouer à Pew Pew Invader, je sais pas quoi. Si, je veux jouer à celui-là. Parce qu'il fait recours à des... des capacités du cerveau qui... Des moments sont peu utilisés, assez spectaculaires. Mais il faut jamais être inquiet, quoi. Faut faire ça en mode zen. Merde, j'ai plus de bombe. Oh putain. Dans la merde.
Je suis dans la Uber, merde! Non, mourrez les gens, mourrez! Non, la limace, je veux pas. Je suis pas consentant, là. Non, mais tout ça, ça tue. Non, je veux pas. Je veux pas. C'est pas possible. J'ai piscine. On va s'arrêter là, monsieur. Voilà le bonheur de ce soir. Petit stream improvisé à l'arrache, mais au moins. Vous allez vous marrer avec ce damné schmuck. Donc, si vous n'avez pas connu cette génération de jeux, sérieux, hurlez auprès des éditeurs qui vous fassent une réédition, parce que ça mérite d'être sur le matériel récent, hein, que ce soit un PC, une Xbox ou une PS4, ou un Ori 4 Mos, eh bien, il faudrait que ce putain de jeu soit remis au devant de la scène. Il mérite largement sa place. Quoi. Je m'appelle AAA. Je vous fais des bisous, je vous laisse la musique du jeu en général de fin, et puis on se retrouve pour... Oh, ce sera peut-être un stream. Oh, mais ce sera sûrement sur un jeu. Et des probabilités probables que ce soit un shmup. Quel suspense.